le renard volant des Philippines, l'une des plus grandes chauves-souris. Le renard volant des Philippines n'est présent que dans les îles des Philippines, et encore, pas dans toutes, seulement dans la province de Sarangani. Vous pourrez certes trouver des chauves-souris à Madagascar ou en Australie qui portent le nom de renard volant, mais ce ne sont pas les mêmes espèces. Le renard volant des Philippines a pour nom scientifique Acerodon jubatu, quand le renard volant que l'on trouve à Madagascar s'appelle Pteropus rufus, et celui d'Australie, Pteropus polyocephalus. Le genre Acerodon regroupe plusieurs espèces de chauves-souris présentes en Philippines et en Indonésie. Parmi elles, Acerodon jubatu a un pelage foncé, sauf au niveau de la tête où il est jaune-orangé, et au niveau des épaules où il est jaunâtre. La membrane des ailes est entre brun foncé et noir. Pteropus rufus a aussi le pelage foncé et possède des zones jaunâtres, mais elles sont plus larges que celles du renard volant des Philippines puisqu'elles concernent le cou, le dessus de la tête et les parties inférieures. Son museau est noir. Pteropus polyocephalus se distingue de sa cousine essentiellement par la couleur de sa tête, toute grise. Même si elles n'appartiennent pas au même genre, toutes ces chauves-souris partagent une forme de tête, avec un long museau et des oreilles pointues, qui évoquent celles des canidés, d'où leur nom vernaculaire de renard. Les clichés montrant le renard volant des Philippines jouent volontiers sur le cadrage pour amplifier les dimensions de l'animal. Si son envergure est de 1,50 m, son corps ne mesure en réalité que 50 cm pour un poids qui atteint tout de même les 1,2 kg. Mais s'agit-il vraiment de la plus grande chauve-souris du monde? Tout dépend de quel point de vue on se place. Le renard volant des Philippines vit essentiellement dans la forêt primaire jusqu'à 1100 mètres d'altitude. Mais il a été également observé dans les mangroves, les forêts de bambous et les forêts marécageuses. Ces chauves-souris constituent des colonies comprenant jusqu'à 5000 individus, se mélangeant avec d'autres espèces du genre Pteropus. Acerodon jubatu est frugivore et se nourrit d'espèces indigènes du genre Ficus. Sa présence est indispensable au milieu qu'il fréquente car il favorise la dispersion des graines et, par là, le renouvellement de l'écosystème végétal. Et en dépit de ce que peut laisser penser son nom, Pteropus vampirus a le même rôle puisque cette chauve-souris est également une espèce frugivore. Avant le début des années 2000, les chauves-souris étaient classées selon deux grandes catégories, les mégachiroptères et les microchiroptères, c'est-à-dire des chiroptères de grande taille et des chiroptères de petite taille. Cette notion de petit ou de grand n'avait pas vraiment de sens puisque la plus petite chauve-souris du premier groupe est Cyconicteris australi avec 12 à 15 cm d'envergure pour un poids total de 3 à 5 g, plus modeste que notre sérotine commune déjà mentionnée. Il y avait vraiment de quoi s'y perdre. Au début des années 2000, les recherches génétiques se sont développées et ont remis de l'ordre dans cette classification. Aujourd'hui, il existe toujours deux groupes mais leurs noms sont différents. On distingue désormais les hyempterochiroptères des yangochiroptères, comprenant les familles de microchiroptères restantes. Toutefois, l'utilisation de cette classification tarde à se répandre.
En tout cas, le renard volant des Philippines appartient au premier groupe, comme les autres renards volants. Comme toutes les chauves-souris, il est équipé d'un patagium. C'est cette membrane de peau fine et souple qui permet à la chauve-souris de voler. Pour rappel, cette structure est également présente chez des oiseaux chez lesquels elle est recouverte de plumes, et chez des mammifères comme des dermoptères, des marsupiaux, mais aussi chez des lézards. Chez les chauves-souris, cette membrane peut également envelopper l'animal ou retenir le bébé au moment de l'accouchement. Elle est équipée d'un système musculaire qui pousse le sang sur toute la surface, jusqu'aux extrémités. Les populations animales peuvent entrer en concurrence avec l'être humain et peinent à survivre. Le renard volant des Philippines est en voie d'extinction, à cause d'actions de braconnage et de la destruction de son habitat naturel. Les chauves-souris ont leur rôle à jouer dans les écosystèmes, comme tout animal. Elles pâtissent beaucoup de phénomènes de frayeur et de rejet à travers la planète, mais elles doivent également être protégées, au même titre que de nombreux autres animaux. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.